Alors aujourd'hui, à notre tête à tête, on reçoit Nathalie Choquette. Nathalie Choquette, c'est une soprano reconnue internationale. Ça a été une des premières chances que j'ai eues dans ma carrière. Et c'est un plaisir pour moi de vous présenter cette magnifique personne, Nathalie Choquette. Emma m'a dit, on veut plus relater l'histoire de l'agence, puis les gens qui ont marqué, je pouvais pas t'avoir. C'était comme impossible, dans le sens où tu es la première. C'est vrai. Tu savais ça, hein? Ben écoute, ça me fait vraiment chaud au cœur parce que c'est vrai que la tournée que tu avais organisée, ouais. Tu sais, la tournée Eterna. Eterna, oui. Oui, c'était des chants sacrés que j'avais enregistrés avec des disques qui se battent. Initié par... En fait, ce projet était complètement fou parce que c'était Edith Provost qui avait perdu son père et qui m'avait demandé si je pouvais enregistrer quelques airs sacrés de façon modeste. Mais après ça, avec orgue et voix, mais j'ai dit, mais il me semble que ça serait beau d'avoir une petite chorale. Puis il dit, oh oui, quelle bonne idée, on ajoute la chorale. Ensuite, mais j'ai dit, mais tu sais, des cordes, là, c'est comme... C'est bon. C'est tellement bon. Alors, on a ajouté les cordes. Puis après, puis un clavier ou une harpe. Et finalement, cette histoire complètement folle est tombée entre tes mains, ouais, habiles. Ouais. Et nous avons fait la merveilleuse tournée Eterna dans les églises du Québec, ouais, avec... Les chorales. Orgue et le choral, oh, avec des cordes et tout. Ah non, ça, c'était... Puis c'était un projet qui avait été primé aussi à la disque, qui avait remporté des prix. Ça avait été vraiment... Non, ça, ça a été une belle aventure, mais je pense qu'il fallait être fou pour accepter ça au départ. Parce qu'aujourd'hui, je repense à ça. Je disais, est-ce que j'aurais accepté ce projet-là aujourd'hui? Peut-être, mais je me disais, à l'époque, je pense que c'était juste ma belle naïveté puis l'enthousiasme d'Edith, parce que c'était, elle avait cette énergie-là, Edith, qui nous convainquait d'à peu près n'importe quoi, d'embarquer dans tout. C'était incroyable. Mais pour que, tu sais... Qu'est-ce qui... Tu sais, je veux dire, nous, ça fait quand même maintenant 15 ans, presque, donc 18 ans, tu sais, t'as pu, ouais. Ça fait combien, 17? Donc, ça, c'était 2005, donc, doit 17 ans, finalement, qu'on travaille ensemble. Mais les gens n'ont pas idée un peu de la relation qu'on peut avoir. Tu sais, souvent, ils le voient pas parce que c'est pas ça qu'ils voient. En fait, ils voient le résultat, ils voient le spectacle. Mais toi, comment tu vis ça, la relation avec nous autres, depuis 17 ans? Bien, moi, c'est familial. Oui, c'est ça, c'est le fait. C'est tout. Moi, je suis pas une personne qui se sent à l'aise dans les trucs genre corporatifs, formels, business. C'est pas mon truc. Moi, je suis une fille de famille. La chose la plus importante pour moi, c'est toujours de ressentir l'esprit de famille. Puis, il n'y a pas une personne de ton équipe, commençant par toi, qui m'a pas donné ce sentiment-là. Et je suis vraiment à l'aise. Et c'est pas, il n'y a pas de... Je me sens pas poussée dans le dos. Je me sens pas comme... J'aime les choses naturelles. Puis c'est ça qui me plaît. C'est que je me sens moi-même avec vous. Tu sais, vous me connaissez depuis tellement longtemps. Puis tout ton personnel est tellement chaleureux. Des gens de cœur qui l'ont prouvé. Moi, ça m'a tellement émue quand on avait fait Laurent et compagnie. C'est de vrai, voir, oui. Toute ton équipe, Lise Boyer, l'autre titre, l'accueil des artistes, la pub et tout. Puis c'est cette solidarité. Il y a de la place pour la fantaisie. Même si je viens d'un milieu classique, puis que c'est pas trop le focus de l'agence. Mais je pense que votre focus, c'est justement la diversité. Oui, puis prendre soin des artistes. Oui, c'est ça. Ça, c'est ça qui est extraordinaire. Mais tu sais, toi, dans les fêtes, c'est un peu aussi familial, la musique, en quelque part, là. Ah oui, bien, je pense que je suis tombée en amour avec le film The Sound of Music, la mélodie du bonheur. Puis c'est Julie Andrews et sa voix et tout le truc des enfants qui chantent. Puis ça a toujours été mon rêve. J'ai toujours voulu avoir une maison remplie d'amour, de musique et de joie. Et puis on dirait que ça a été comme mon fil conducteur dans ma vie. Mais c'est à cause de ce film-là que tu as décidé de faire la musique? Je pense que ça a eu une très grande influence dans ma vie parce que je voulais être tous les personnages, je voulais être Julie, je voulais être chacun des enfants, je voulais même être le capitaine, je voulais être tout. Mais ça est aussi, ben, premièrement pour l'attrait de la musique, de la joie de la musique, parce qu'il y a tellement de joie. Le film, la chanson The Lonely Goatherd, The Lonely Goatherd. Ouais. Moi, j'écoute ça, c'est comme, il n'y en a pas de problème dans la vie quand j'écoute ça. Puis, les chansons émouvantes aussi, inspirantes.
c'est un film très inspirant. Mais c'est vraiment à 11 ans que j'ai eu le coup de foudre pour l'opéra. Okay. Quand mon père m'a forcé à aller entendre... Okay, littéralement forcé. Littéralement forcé. Ma sœur et moi, on n'avait pas le choix avec papa. Il nous a même obligés à prendre le synopsis de l'opéra par cœur, qui était tel personnage, Aïda, okay. machin... Oh, on le boudait, on était tellement pas contente. Il nous a traînés là. Puis on habitait à Rome à l'époque parce qu'il travaillait là-bas. Et puis, c'était un spectacle extérieur dans des ruines romaines. Et là, j'ai entendu pour la première fois de ma vie un orchestre symphonique live. Et puis, quand les chanteurs ont commencé à chanter, j'ai dit, mais c'est quoi ce son? Et j'ai été obsédée par ce son. Dès l'âge de 11 ans. Et en fait, j'ai jamais voulu faire une carrière en chant. J'ai juste voulu être capable de chanter l'air de la Reine de la Nuit. C'était parce que je suis un petit peu... je ne suis pas une personne très pratique. Je vis vraiment dans un monde très fantaisiste. Puis pour moi, le but dans la vie, c'était d'être capable de chanter cette air-là, mm-hmm. sans savoir après comment je ferais carrière. Je ne savais même pas ce que c'était qu'une carrière de chanteur. Je veux juste savoir chanter ça. Puis, et tout le reste a suivi et par après. Puis, mes filles font de la musique, on chante en famille, on aime ça. Voilà. Puis, ben mais tu sais, c'est ça qui est extraordinaire. Mais tu sais, dans tout ce parcours-là, parce que tu as un parcours qui est riche et incroyable, y a-tu un projet que tu n'as pas fait, tu te dis, ah, j'aimerais ça faire ça? Parce que tu as tellement, comme tu dis, puis ça, les gens, pour qu'ils sachent, c'est vrai que tu es probablement la plus créative que j'ai jamais rencontrée de ma vie. Tu as des idées comme ça, ça se peut pas. Ben, c'est presque un problème parfois. Mais y a-t-il quelque chose que tu dis, ah, ça, j'aimerais ça faire ça? Ah oui. Ben, à 11 ans, je me suis juré que j'aurais deux carrières. En fait, même trois. OK. La première, c'était chanter comme ces gens-là. La deuxième, c'est jouer des rôles de vieilles dames dans des films. Et puis la troisième, c'était d'écrire des romans policiers comme Agatha Christie. OK. C'est ça. Alors là, je commence avec la maison d'édition Dominique et compagnie. Ouais. Là, j'ai une commande pour écrire mon premier roman détective, okay. Jeunesse. J'adore les enfants. Ça, j'allais dire ça. T'as fait dans la jeunesse, là. Oui, moi, là, tu m'offres d'aller dans un pub ou dans une garderie, je vais aller à la garderie parce que c'est joyeux. J'aime la joie, j'aime pas les trucs sombres. Je pense que j'ai jamais mis les pieds dans le monde de l'adulte avec joie. Tu sais, tous ces trucs où on est censé être adulte, je sais pas. Moi, c'est la vraie vie pour moi, c'est là que je me sens bien, tu sais, avec les jeunes. Mais donc, un projet en chanson, y a-tu quelque chose que tu dis, OK, ça, je voudrais le faire? Parce que là, le livre, tu l'as réalisé, tu as chanté. Y a-tu quelque chose que tu dis, ah, ça, j'aimerais ça, refaire ça, ou me permettre quelque chose d'artistiquement que tu dis, OK, ça, je voudrais le faire? Oui, bien, peut-être, parce que je vais te dire, une chose que j'adore, encore, c'est mon âme d'enfant, c'est le cirque. Le cirque, oui. J'ai chanté avec des cirques en Europe, et ça a été pour moi une expérience incroyable. Je n'arrivais pas à croire que j'étais avec ces gens qui faisaient des choses qui m'émerveillent. Et puis, je pense que ça serait vraiment de participer à un spectacle avec des gens du cirque. Ça, okay. Ça, c'est vraiment... Parce qu'on peut être tellement fou, extravagant, puis... Les costumes, puis tout ça. Ah, les costumes, puis... Ça, et puis aussi, encore une fois, le public qui est très familial. C'est là que je me suis... Je pense que ça serait ça, tu sais, la diva au milieu de ces... de tous ces personnages. J'aime beaucoup les personnages dans la vie. Oui, bien, c'est ça. Mais je pense que, en fait, ta carrière était teintée, justement, de personnages, de personnalités que tu prenais sur scène avec les différents personnages que tu incarnais, puis les divas qui étaient soit plus folles les unes que les autres dans les fêtes, là. Ouais, ça... Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à être juste moi. C'est comme... Je sais pas si c'est par manque de confiance ou simplement parce que j'aime énormément toute cette couleur. Ça doit être un mélange des deux, mais c'est sûr que quand on est timide, on se cache derrière un personnage et tout à coup, on a une force inouïe, on est rempli de pouvoir, on peut faire rire les gens, on peut les émerveiller, les émouvoir. C'est comme une vraie baguette magique, là, j'adore. Puis est-ce que tu as un regret? Parce que tu as une carrière, encore une fois, qui est tellement riche, puis tu as une histoire extraordinaire. Y a-t-il quelque chose que tu regrettes? Si j'aurais fait autrement?
Honnêtement, non. Si je réfléchis, je veux dire, par rapport à la carrière, j'ai vraiment pas de regrets. Mm-hmm. Comme je vis tellement dans le présent et la reconnaissance de tout ce que j'ai eu comme chance dans ma vie de pouvoir faire toutes ces folies, puis et d'être encore là, puis d'être en forme, puis de pouvoir continuer à chanter à mon âge respectable, qui devient respectable. Mais non, regret, ben, j'ai des regrets. C'est correct. Je veux dire, moi, personnellement, j'en ai pas de regrets. Non, OK, c'est ça. Tout ce que j'ai fait, je ferais pareil. Puis on parlait avec Emma, justement, quand on arrivait ce matin, puis j'ai aucun regret. Je referais pareil. OK, bien, ça me rassure, parce oui, que vraiment, j'ai beau chercher dans... Non, j'ai pas de regrets. J'ai d'autres sortes de regrets, par exemple, d'être devenue intolérante au lactose parce que je peux plus manger de fromage. Ouais, mais c'est mon fromage préféré. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Non. Si tu avais une anecdote à nous partager, parce que moi, je sais que tu m'as raconté un paquet d'histoires, fait que je veux te laisser la choisir, mais si tu avais une anecdote de carrière à nous raconter, quelque chose qui t'est arrivé, tu te dis « c'est impossible, je peux pas croire que ça m'arrive ». Bien, il y a... Mon Dieu, il y en a pas mal. Il y a pas mal d'anecdotes. Ben, une un peu cocasse, je faisais un numéro avec Grégory Charles au Festival Juste pour rire. On était filmés. Okay. C'était pour la télévision et tout, au Théâtre Saint-Denis. Et puis, c'était le numéro où j'étais une waitress. Okay. Et lui, il arrive, c'est un client affamé qui demande le menu. Alors, je lui dis le menu et tout ça. Puis, alors, il décide de prendre un hot dog. Je sers le pain, puis il demande où est la viande. Alors, j'ai dit, c'est toi. Alors, il rentre dans le pain hot dog, puis à la fin, j'ai mis ben la moutarde sur la face. C'était vraiment le fun à faire. Il est exceptionnel, Grégory. Et alors, l'anecdote, c'est que... pour le personnage, ma costumière, regrettée Rossignol, qui est décédée il y a quelques années. Mais alors, elle m'avait tout habillée, puis je rentrais par une trappe par en dessous. Okay. Puis moi, j'entendais le cue musical approcher, puis elle m'avait fait porter des faux ongles. Parce que moi, comme j'aime jouer le piano, j'aime pas les ongles longs, je suis pas capable de... j'aime toucher les choses concrètement. Fait que j'avais des longs ongles qu'on avait collés, puis juste avant de rentrer... J'ai un ongle qui se décolle, puis c'était filmé à la télé. Tu sais, alors, je dis, qu'est-ce qu'on fait? On n'avait pas le temps d'aller dans les loges chercher la colle à ongles. Alors, le technicien de scène, elle lui dit, t'as-tu de la crazy glue? Alors, il dit, oui, j'en ai. Alors, elle a mis la crazy glue sur mon ongle, puis elle a appuyé comme ça. Sauf que, on était collés ensemble, elle et moi. Le pouce a collé. Alors là, et je devais monter. J'ai dit, Rossignol, il faut que c'est une de nous deux qui va... C'est sa peau. Alors, on a tiré. Puis c'est moi, ma peau qui s'est arrachée. Alors, j'avais le doigt en sang, puis je monte. Puis... Alors, j'ai passé le numéro. Alors, comme ça, j'ai essayé de cacher mon index. Incroyable. Oui, c'est des choses qui arrivent comme ça. Là, est-ce que Grégory Charles l'avait remarqué ou non, pas du non, tout? Non. Il l'a pas vu, non? Non, parce que, bon... T'sais, on est habitués, nous, les artistes, à l'art du camouflage aussi, parce qu'on ne veut jamais décevoir le public ni les gens. Donc, je m'arrangeais pour vraiment bien cacher ma main puis, ou mon doigt. Alors... Incroyable. Incroyable. Puis, est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière où tu as été impressionné? T'sais, moi, j'en ai des moments où c'est comme, OK, il se passe quelque chose, il y a un moment, puis c'est vraiment impressionnant. Y a-tu un moment, toi, où tu te dis, OK, je vais me pincer là, parce que c'est en train d'arriver? Je pense que quand j'ai chanté à Vienne, avec la Philharmonie de Vienne, l'Orchestre philharmonique, c'était pour les fêtes du Nouvel An, et au Concerthaus de Vienne. C'est comme, genre, Mozart a joué là. Okay. Peux-tu comprendre? Là, c'est vraiment mythique. Et puis, les musiciens, ils sont très... top-notch et tout ça, là, musicien classique. Puis moi, j'arrivais avec mes folies et tout. Puis le chef d'orchestre était super content de faire ce concert avec moi, puis comprenait le concept. Et il dit, je vais rien dire aux musiciens. Je vais pas leur dire tout ce que tu fais parce que je vais pas les... Voilà. Alors j'arrive, puis... Et je...
on fait la répétition, mais je faisais zéro folie pendant la répétition. Et au concert, devant tout ce public, et puis les gens viennent quand ils sortent, là, c'est que vraiment, ils sont habillés chic, c'est un happening. Il y a un décorum. Oui, il y a un... C'est un way of life, la musique, là-bas. Fait que je sors sur scène, puis là, je fais mon spectacle avec tout l'humour et tout. Les musiciens n'en revenaient pas. Ils essayaient de pas rire. Ils n'avaient jamais vécu une chose comme ça. Et à la fin, j'ai eu une ovation de 20 minutes. Wow. Genre, la salle n'arrêtait pas. Puis je me disais, OK, est-ce que je rêve, là? Je suis dans un temple sacré de la musique où Mozart jouait. Puis je suis là puis avec un des plus grands orchestres au monde. Et puis un public connaisseur. Et puis, ils sont là, ils ont émis ma folie. En fait, c'est même pas mon... Je sais pas, quand je fais ça, pour moi, les petites victoires, c'est pas que j'ai chanté bien ou pas, parce que des chanteurs, il y en a tellement de plus extraordinaires. Mais je pense que c'est probablement la façon d'aller communiquer avec l'être humain. Puis, ayant grandi dans différents pays tout le temps, à cause du métier de mon père, pour moi, la communication, c'est vraiment important, parce que je comprenais pas la langue. Donc, c'était comme la communication par les yeux, les gestes, le cœur, qui comptait avant tout. Et puis, et ça, pour moi, c'est ce qui m'avait touchée. C'est qu'au-delà de la musique classique, ils ont ressenti cette espèce de joie, de folie que j'essayais de partager avec eux. Ah, c'est extraordinaire. Hey, merci infiniment d'avoir partagé ça avec toi. Je te remercie infiniment. Je t'aime, Vincent, puis bravo à toi pour vraiment merci tout à toi ce pour que la confiance. Vraiment. Merci.